Annie, j'ai besoin d'aide pour un cocktail de Molotov, c'est bon ça? En fait, pour la pièce L'effet du temps sur Matilda, je me suis inspirée des manifestations, que ce soit pour contre la hausse des frais de scolarité ou les manifestations pour les sommets, les G20, les G8. Je voulais parler de ça parce que je trouvais ça beau, tous ces jeunes-là, toutes ces personnes-là qui sortent dans la rue pour crier leur colère. Et je me suis aussi penchée sur le Black Bloc, qui est en fait une tactique de manifestation. On peut tous faire partie... Comment? On peut tous faire partie du Black Bloc. Il suffit juste de s'habiller en noir, question de garder notre anonymat. Et on va manifester tous ensemble. Souvent, en fait, les Black Blocs se retrouvent au front des manifestations et on les dit souvent violents. Mais eux autres, ils ne se trouvent pas violents du tout. En fait, même s'ils pètent des vitres de multinationales, pour eux, c'est pas violent comparativement à ce que les chaînes, par exemple, de restaurants rapides, la violence qu'eux ont en nourrissant mal les gens. Et l'année passée, je suis allée dans une école secondaire et j'ai demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils en pensaient du Black Bloc et de ces manifestants-là qui sortent dans la rue. Et il y a une jeune fille qui m'a dit que c'était vraiment chiant parce que ces jeunes-là ne pensaient pas aux autres qui travaillent dans ces chaînes de restaurants rapides-là et qui perdent leur job pendant 3 jours, soit à cause de la manifestation ou parce qu'il faut attendre pour faire réparer la foutue vitre qui a été brisée par des gens du Black Bloc.